Good morning, allez, Yiden, les Suisses, aujourd'hui, le Nishmat, Mourabi, Shumal, Beshom, Mazalman, Shomo, Binamin, Ben Mazal, Rachel, Rachel, Batsar, ainsi que leur fois, Sarah, Bat, Bézir, Yuska, Rafael, Solomon, Khamalia, Mariam, Bat, Rassida, Edov, Ben Yudit, Vetor, Cher, Kol, Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider notre chaîne YouTube de Mishnah, contre la 5e minute éternelle, nous étudions la Sekhet Rolin, par exemple, Mishnah Vav, Noheg, Batehora, Veno, Noheg, Batemea. Rabbi Yuda Omer, Av, Batmea, Amar, Rabbi Yuda, Valomi, Bina Yaakov, Nesar, Yuda, Nashe. ועדיין בהמת מאה מותרת להן. אמרו לו, בסיני נאמר, אלא שנכתב במקומו. On finit dans notre Mishnah le sujet du guide anaché, le nerf sciatique. La Mishnah commence d'abord avec deux notions. Première notion d'abord, Noheg Bateora. Il est d'usage dans un animal tahor pur, ve'eno Noheg Batmea. Mais il n'est pas d'usage dans un animal impur, c'est-à-dire d'une espèce impropre à la consommation, qui n'a pas les sabots fendus et ne rumine pas. D'accord ? Donc, si maintenant, quelqu'un il est parti, il a mangé du nerf sciatique d'un cheval, le cheval c'est interdit à la consommation, eh bien, selon Tanakama, on ne transgresse pas l'interdit de manger du guide anaché. Est-ce qu'on a interdit de manger même un nerf ? Ça, on en parlera dans quelques secondes. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit non, Af Batmea, il est en vigueur même dans une espèce impure. C'est-à-dire, si tu as mangé le guide du cheval, ben, tu transgresses l'interdit et on se fait frapper avec les 39 coups parce qu'il y a un interdit à la Torah, lequel nous yuchlou ben Israël, cette guide anaché. C'est écrit dans la paracha de Vaishlach que les ben Israël ne mangeront plus le guide anaché. Et ça implique même, d'après Rabbi Yehuda, ça concerne même les animaux impurs. On va expliquer dans quelques minutes la suite de la Mishnah avec les preuves de chacun. Pour le moment, je veux apporter une petite précision importante, c'est que, donc, le cas de la Mishnah, on entend parler que j'ai pris le guide anaché, le nerf sciatique d'un cheval, d'un âne, du halouf, d'accord, de tout ce que vous voulez, et d'une espèce impure, et je l'ai mangé. Et la Mishnah enseigne, est-ce que je me fais frapper dessus? Bien sûr. Il y a d'abord une question de base. Si je prends un animal impur et que je le mange, ben je me fais frapper de toute façon parce que je transgresse l'interdit de manger une espèce impure. C'est vrai, mais à moitié. C'est-à-dire, c'est vrai que si je vais manger de la viande du cheval et que je vais être frappé parce que j'ai mangé une espèce impure. Et zeloto chelou, mina bemach, la dame a fressé par ça, mina chesach, c'est explicite dans la Torah. Qu'on a un interdit de manger ce qui n'est pas kasher. Maintenant, vous vous rappelez qu'on avait évoqué une marloquette sur le guide, sur les nerfs du guide anaché, est-ce qu'il a du goût ou pas? Il y a deux avis. Un avis qui pense que le guide anaché a effectivement du goût. Il a un goût, il diffuse un goût. De ce fait, s'il diffuse un goût, donc il est interdit à la consommation en tant que viande interdite. Et dans ce cas-là, la Mishnah, qui se soucie de savoir ce que je me fais frapper pour le guide anaché, elle se soucie simplement de savoir ce que je me fais frapper 40 coups ou 80 coups, c'est-à-dire 39 ou 78. C'est-à-dire, si j'ai transgressé deux interdits, de manger une viande interdite et l'interdit de manger le guide anaché. Même si ça se réunit en un seul kazaït même, eh bien je me ferai frapper deux fois, parce que par la même action, j'ai transgressé deux interdits. Et donc c'est sur ça qu'on a une discussion entre Rabbi Yehuda et Tanakama qui vont me dire, il va nous dire non, est-ce qu'il y a un interdit de guide anaché en vigueur avec les animaux, avec les espèces interdites ou non? Rabbi Yehuda pense que oui, et Chachamim pense que non, qu'il n'est pas en vigueur dans les espèces interdites. Donc tu te feras frapper, certes, parce que tu as mangé de la viande interdite, mais pas parce que tu as mangé du guide anaché. Il y a par ça un autre avis qui pense, et comme ça c'est la halakha, que les nerfs n'ont pas de goût. En begidin benoten taham. Benoten taham. Les guidim n'ont pas de quoi donner de goût. Donc s'ils ne donnent pas de goût, alors là c'est intéressant, on les considère qu'ils sont comme un goût de bois. Quand la Torah nous interdit de manger une espèce, un animal interdit, elle nous interdit de manger des choses qui ont du goût dans l'animal. Mais si tu vas prendre une corne de rhinocéros et que tu vas la manger, eh bien, tu ne transgresses pas l'interdit de manger une espèce interdite. D'accord? Tu vas prendre des ongles de chevaux. Et même, ça concerne même, en réalité, même les os. Si toutefois, alors les os c'est plus délicat, parce que des fois dans les os, os, ouais, les os, dans les os, il y a des fois, il y a certains os qui ont de la, une humidité et qui diffusent un goût. Là, dans ce cas-là, ils seront interdits. Mais il y a des os qui sont même secs. Et parfois même, la Gemara explique qu'on peut même les associer pour pouvoir diluer les goûts de goûts d'interdit. Enfin, on ne va pas rentrer dans trop de détails. De là, ça part ensuite dans la lacha. Qu'est-ce qu'on fait avec la gélatine de graisse animale? Il y a des discussions sur ça. Bien sûr qu'on ne les consomme pas, mais en tout cas,
tout démarre à partir de ces sougiot dans la Gemara. Toutes les lois de Taharovet, ça se trouve ici vraiment dans ce Perek Zayin. Et après, pour la suite, pour le Bassan Bechalav, ça va se revenir ensuite dans Perek Ret. En tout cas, je reviens maintenant donc sur ce qui est dans l'animal, mais qui n'est pas considéré comme de la viande, qui n'a pas de goût, en l'occurrence donc, comme ce qu'on est en train de voir, les nerfs, si d'après l'avis que les nerfs n'ont pas de goût, en Megdin Mezentam, dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdit de manger un nerf d'animal interdit, puisque c'est un bout de bois. Parce que si tu veux le manger, tu vas prendre un menton en crocodile, et tu vas te mettre à le mâchouiller et à l'avaler même. Ça s'appelle pas manger, c'est pas de la nourriture. D'accord ? Et bien, même principe pour les nerfs. Si ça n'a pas de goût, alors tu as le droit de. T'as pas d'interdit de le manger. Malgré tout, c'est là le grand chidouche, même si ça n'a pas de goût, la Torah l'interdit de consommer le nerf sciatique. De ce fait, si l'interdit de la Torah s'applique même sur les espèces interdites, et que tu manges le nerf sciatique, tu transgresseras l'interdit de manger le nerf sciatique. On dit que sinon, non. D'accord ? Et c'est la discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim. D'où part leur discussion ? Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Ve'alom ibn Yaakov nesar Guid Anashe. Vous savez où ça se trouve, la paracha du Guid Anashe ? Ça se trouve dans la paracha de Vaishlach. On est encore dans Sefer Bereshit, avant le nom de la Torah, avant même qu'on parte en Égypte. Là-bas, il y a eu l'histoire avec Rabbi Yehuda, avec Yaakov Abinou, il a lutté contre l'ange de Sav, et puis finalement, il lui a déboîté la hanche, et alors là, Alken lo yochlo ben Israël et Guid Anashe. Les Bnei Israël ne mangeront plus le Guid Anashe. Là-bas, c'est écrit. Mais là, les Bnei Israël, ils sont avant le matin de Torah. La Torah n'a pas encore été donnée. Donc, avant que la Torah ait été donnée, certes, nos ancêtres préservaient, gardaient la Torah. Mais ils n'étaient pas obligés de le faire. Donc, lorsque la Torah nous interdit de manger le Guid Anashe, c'est le Guid Anashe de toutes les espèces qui étaient permises à l'époque, en l'occurrence. Même le cheval et même l'âne. D'accord ? C'est la vie de Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda. Il doit dire à Biouda, Valom ibn Yaakov nesar Guid Anashe. Depuis l'époque de Yaakov Avinu, le Guid Anashe s'est fait interdire par la Torah. Ve'adain be'emat me'a muteret lain. Et à cette époque-là, les espèces d'animaux interdits, impropres à la consommation, étaient permis à la consommation. On avait le droit de manger du cheval et du chameau. Donc, quand la Torah nous interdit le Guid Anashe à cette époque-là, son intention était d'interdire les guides d'anachés de tout le monde. Et sur ça, Chachamim rétorque, non, t'as mal compris, Rabbi Yehuda. À Mourlo, ils l'ont dit, Rabbi Yehuda, Bessinaï Nehemar. Il y avait la Torah, elle a été entièrement donnée au Har Sinaï. Et quoi? Et cet interdit, il a été innové à l'époque du Sinaï. Lorsqu'Hachem, il a donné la Torah au Sinaï. Alors, là, il a prescrit l'interdit. Et la Shenirtav Bimkomo, juste que la Torah, elle a insisté, à nous préciser la mitzvah, l'interdit de manger le Guid Anashe. Au lieu de le mettre après la consommation des aliments interdits, la Torah, elle a fait entrer ce pasouk dans la paracha de Vaishlach. Mais en réalité, à partir de quand il a été prescrit? Il n'a été prescrit qu'à partir du Sinaï. Et de ce fait, il ne concerne que les animaux qui étaient propres à la consommation. La Torah t'a dit, attention, je te permets de manger, mais ça, tu ne le mangeras pas à cause de l'histoire de Yaakov. Et maintenant, au lieu de mettre ce pasouk dans paracha de Kedoshim, dans le livre de Vaikra, la Torah a pris le passage qu'elle a mis directement dans l'histoire de Yaakov Avinu. D'accord ? Ce qu'ils ont dit, donc, « Bessinaï Nehemar », elle a été innovée, cette mitzvah, elle a été prescrite au Sinaï. « Elle a shenirtav bimkomo », juste après, la Hachem, il a écrit ce passage là, à l'époque de la parasha de Vaishlach. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine, la slacha kol tov, c'est là.